Alors, je suis Nicolas Angebeau, je travaille chez Châteauforme depuis 6 ans à peu près maintenant, 5 ans chez Nomad, enfin 5 ans et demi chez Nomad, et puis depuis peu pour le Châteauforme Université Bailly, un nouveau projet de Châteauforme, pour lequel en fait j'ai dû me remettre dans l'anglais. Voilà. Alors, j'ai dû me remettre à l'anglais pour mes nouvelles fonctions. Et il fallait en fait, il me fallait une remise à niveau déjà. Donc le CRAN, c'était vraiment l'outil qui s'y prêtait. Le CRAN m'expliquait en fait comment fonctionnait en fait le paiement par le CPF. Et après, bah, c'est eux qui m'ont orienté et qui, voilà, ça s'est fait très facilement, quoi. Bah, j'ai été chouchouté, puisque en fait ça a commencé dès la première prise de contact, et après régulièrement j'étais informé en fait de l'évolution, de la planification, tout ce qui s'ensuit. Bien entendu. Alors après, moi j'ai particulièrement apprécié le fait que avant de se rendre sur place en immersion, le distanciel était très très intéressant. Ça a permis en fait tout doucement en fait de remettre le pied à l'étrier et de pas être perdu quand on arrivait en présentiel. Il y a une méthodologie qui est très particulière et qui en fait qui fait imprimer correctement, quoi. Si j'ai travaillé directement avec une prof qui était en Angleterre, donc c'était vraiment très intéressant puisqu'on était directement baigné dans la langue, et en fait ça donnait les prémices en fait de l'immersion. Ça prépare à ce qui va se passer en présentiel, c'est-à-dire qu'en fait, on ne parle que anglais. Alors après, quand il y a des rattrapages, elle est faite en français, mais la base, elle est faite en anglais, quoi. À l'heure actuelle, j'ai plus peur en fait de rentrer dans des conversations en anglais, même si je ne maîtrise pas tout encore. Mais j'ai pris, grâce au CERAN et grâce aussi à la continuité des efforts, j'ai pris de l'assurance. Pour y arriver, je me répète, il faut continuer avec les outils du CERAN. Je suis allé un peu plus loin, parce que j'ai toujours une professeure d'anglais aussi, avec qui je prends des leçons une à deux fois par semaine, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouve, on arrive le dimanche soir, personne ne se connaît. Au-delà de l'anglais, il y a quand même différentes langues qui sont dispensées ou proposées. Donc on a des élèves de partout, c'est vraiment le cas de partout, qui sont dans des langues différentes. Et au final, on arrive à se retrouver, et puis on s'aperçoit quand même qu'au-delà de toutes ces langues, c'est quand même l'anglais qui est le moteur de communication, quoi.